Fils et pupille. Héritier du royaume d'Irlande. Ah, il va pas être content, mais à un moment, on veut stabiliser le royaume. Ah non, voilà, puis la nouvelle amante au secours, quoi. Il va réussir à perdre sa guerre, hein. Il va réussir à perdre sa guerre, à finir emprisonné. Parce que l'autre, en fait, est dans les montagnes, et dans les montagnes, ben, c'est plus dur de siéger. C'est un plaisir, hein. On va juste modifier la culture ici. Ouais, qu'on modifie la culture sur nos territoires aussi parce que ça devient compliqué. À quoi? Ouais, je suis largement au-dessus de ce qu'il faut, donc c'est bon. Ah, il vient de perdre sa bataille, mais c'est une horreur, hein. Faut pas le faire assassiner, lui. J'ai envie de le faire emprisonner, de lui faire retirer tous ses titres et avec 36% de chances de réussir, quoi. Ah bah si, il va peut-être se faire aider par la Neustrie, par la Normandie. On va voir cette bataille. Parce que si lui meurt, c'est qui? C'est elle qui devient... Elle a compté de palace et machin. Elle n'aura rien du tout. Faire naître une légende, protecteur du lieu saint catholique. Oui, cool. Bon, enfin bon, ça m'intéresse pas spécialement. Cache-cache, olé olé. Ok. Mon fils fait des trucs bizarres.
Fonder un ordre sacré. Non, on va surtout essayer de d'augmenter l'hospice là parce que ça commence à être un peu la galère là. Peut-être faire des champs ici. Tel père, tel fils. Non, pas plus quoi. De vœux emprisonnés. On a 16 membres vivants. Ma fille. Au roi de Francie orientale. Pourquoi pas. Hein. Oh, les maladies, quoi. Ma petite fille veut se mettre à la bataille. Onze mois. 3 mois, ouais, non, mais il y a un moment, quand on n'arrive pas à sortir ses territoires. Il est reparti en guerre, parce qu'il doit avoir une double guerre, lui. C'est ça, il y a une double guerre. C'est ça que ça se passe pas bien, en fait, ouais. La famille, elle réussit pas. Oui, non, mais c'est bon, vous commencez à me gaver, en fait. Ah, je pouvais demander de l'argent au chef de la foi. Donnez l'argent. Voilà. Comme ça, on va pouvoir améliorer. Non, ce que faire naître une légende, je veux bien, mais il n'y a pas de légende. Enfin, à part protecteur du dessin catholique, ce qui m'aide pas spécialement. Là, on avait le château, sinon, qui donnait gain de légitimité, contribution en impôt du vassal courtois. Oui, pourquoi pas. Ça peut donner de l'argent. Impôt des propriétés plus 8%. Non, je peux pas. C'est une guerre entre vassaux, j'ai pas la puissance pour y aller. Enfin, j'ai pas le droit, quoi. En tant que suzerain, je peux pas aller là-bas. Je pourrais imposer à lui de faire une paix blanche, par exemple, à la rigueur, tu vois. D'y exiger la reddition de la guerre. Tu vois, je pourrais faire ça. Mais le fait de faire ça, est-ce que ça me permet de l'emprisonner à juste titre? Pas plus, tu vois. Fabriquer une boîte. Le problème, c'est que les boîtes. Allez, on peut y aller. Peebles. Lothian. Allez, tant pis. Bah en fait, c'est souvent problématique, c'est que tu peux pas, enfin, à part demander à un vassal de se rendre ou quoi que ce soit, tu peux pas faire grand-chose, quoi, si tu veux. Donc,
Après, il y a peut-être possibilité, tu sais, de le rendre, comment dire, Doge de Venise. Ça me plaît, ça. Tu peux toujours dire, bah voilà, tu fais une guerre contre lui parce qu'il est pas, il est pas correct, mais c'est un peu limité, quoi. À 7 mois. Là, il y a 8 mois. Et là, la culture, ça va, elle se répand pas trop mal. Mais là, après qu'on revienne sur le Kent aussi. La flèche est plus grande que la vôtre, hein, d'accord? Les courtisans pleurnichards, dit crie le duc, qui avance à grands pas vers la... Cependant que l'empereur Ugni se complaît sur le sol comme un porc dans la boue, j'ai érigé la plus haute tour de cette maudite terre et jamais vue en Dover. Depuis mon château, je peux maintenant presque attraper les planètes dans le ciel. Où sont vos étoiles, empereur Ugni? Mon intendant pose une main prudente sur mon épaule. Monseigneur, sa tour n'est qu'une structure fragile de 120 mètres de haut, faite d'argile et de colle. Ignorez sa raie et attendez qu'elle s'écroule. Allez-vous fourrer votre aiguille du ciel dans le derrière? Oui, c'est... On peut se permettre ça. Mon héritier a eu deux enfants, un petit Magnus. Et une petite Aethelstris. Ouais, c'est pas à prononcer, ça, c'est à cracher, non? Ah oui, d'accord. Les autres sont venus depuis là-haut pour venir tabasser mon fils. D'accord. Bedvar. Oh, coffret ornemental de l'empereur Ugni. Piété 0.07, renommée 0.16, bonus de magnificence de cour, plus 4. Très très bel artefact. Je suis assez fier. Ah non, d'accord, il va là, lui. Ça, c'était quoi? Ah, la lance, d'accord, voilà. Et là, il me faudrait voir le coffret. J'ai une boîte. Une belle boîte. Ah si, attendez, non, on va peut-être pas pouvoir, parce qu'il nous faudra encore un peu de pognon, mais faire un tour, négocier une alliance. Avec le comte de Ypres. Ah, attendez, mince, c'était un membre de la famille. Turkcell.
Modifier le contrat vassalique. Il est en élevé. Ok pour l'artefact. J'ai la goutte, c'est parfait quoi. Ah bah tiens, il a réussi à récupérer le royaume de Bretagne. Il y a des légendes qui m'intéressent, mais strictement pas du tout, quoi, en fait. Est-ce qu'on peut quand même le marier? Histoire qu'on ait des petits-enfants. Merci d'être passé, Falsac. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Non mais c'est pas vrai, on vient de quitter une maladie, il y en a une nouvelle quoi. Par contre, c'est super invasif. Je trouve. Fabriquer un trône, non, ça m'intéresse pas. Usurper le royaume de Pays de Galles. Ouais, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt, ça? Ah, mais il y a la maladie au milieu, quoi. Bon, on n'aura pas fait la chasse finalement. On va pouvoir faire la grande tournée, je pense, hein. On va faire une tournée d'imposition. On va aller faire un petit tour. Hein. 750. Ouais, ça fait beaucoup quand même. C'est qu'on peut se faire du pognon, mais on peut en perdre aussi pas mal, quoi. C'est ça aussi le problème. Au grand mariage d'un chef. Non, va te faire voir. T'as ton mariage de mes deux, là. Aucun intérêt. D'accord, donc là il a réussi à se battre. Ah oui, maintenant il y a des chances que l'autre y perde. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est quoi ta guerre à la con là?
Défenseur. Avec le roi du pays de Galles. Oui, si tu veux, oui. Là, il y a quoi? Il y a plus de troupes que moi. Hein. Alors, on va lever les territoires rapidement. Qatar en Transjuranie. Ok. Ok. Je sais plus pour laquelle il m'a demandé d'agir, mais normalement là j'ai dû votre contribution à la guerre zéro. Ok, d'accord. C'est un peu gênant, quoi. Ah, ils ont essayé de me taper, d'accord. Donc celle-là, j'ai participé. Ah, je suis mort. Ah, d'accord. Longue vie à l'empereur, ouais, on est d'accord. Alors, en diplomatie, j'étais parti sur ça, ce qui m'intéresse pas du tout. Pour reconnaître. On va partir là-dessus. Là, on va réinitialiser les atouts. Je vais pas aimer, hein. Je vais prendre du stress, mais ça m'intéresse beaucoup plus. Le préparer à régner, on l'aura tôt ou tard, peu importe. Chancelier. Ok, ça je veux ça. Ça je veux ça. On va lancer bien sûr un enterrement. Parce qu'il faut faire baisser ce stress à toute vitesse.
C'était une guerre, pourquoi? Chefferie de... Ah d'accord, c'est parce qu'on avait récupéré ça, d'accord. Ah, je me faisais attaquer, j'avais même pas fait gaffe. D'accord, tout va bien. Ok. Il y a des choses qui arrivent. Mais non, c'était pas vraiment le truc voulu. Donc, on a dit un enterrement. Fête sacrificielle. Pourquoi fête sacrificielle? On va le faire chez nous, hein, parce qu'à un moment... Et j'ai pas érigé un... Ah mais non, je suis en guerre, donc je peux pas ériger de trucs. Oh purée, mangeur compulsif, dépensier, j'ai tout ce qu'il faut pas, quoi. Berthold. Non mais c'est pas vrai, ils meurent tous quand il faut pas en fait. Répandre la légende. Et il commence à me casser les pieds avec la répandre la légende là. Pareil pour se confiner machin. Aetheler, ok. Ok, on avait lancé les funérailles ou pas? Les avait lancés, non? Elles sont où les funérailles de mon père? Elles sont là, d'accord. Elles vont commencer dans 5 mois. Oui, 5 mois. Eh ben, ça va prendre le temps. Hein. Dites, ça vous dirait de... Voilà. D'arrêter de me faire briller quelque chose que j'ai pas envie de voir briller. Bon, bah on se fait attaquer en même temps. Blessure aggravée en plus, parce que sinon c'est pas assez. Mais non, mais je veux pas tuer mon fils! Ok, je deviens lunatique.
Qu'est-ce qu'il y a qui fait que paranoïaque, inconstant, sociable, d'accord. Ouais, parce que j'avais cramé des choses que j'ai pas envie de cramer.